Salut à tous et à toutes, ici Mademoiselle Elise. Donc, pour vous présenter une map professionnellement, pas du tout professionnelle. Donc, aujourd'hui, nous allons tout simplement visiter une map de Minecraft qui n'est pas du tout professionnelle, mais qui est juste complètement fun pour le plaisir de juste construire, parce que oui, on n'est pas obligé d'être professionnel pour s'amuser sur Minecraft. C'est pour rappeler aux gens tout simplement qu'on n'est pas obligé d'être forcément un pro dans Minecraft pour pouvoir se faire plaisir. Comme vous voyez, notre cher ami Mister Moumoul qui a fait cette maison qui n'est pas forcément professionnelle mais qui est plutôt amateur ne se débrouille pas trop mal et tout simplement c'est assez impressionnant. Alors, nous avons aussi au-dessus notre autre salle qui est quasiment terminée. C'est assez impressionnant, je trouve, parce que c'est assez beau. Je trouve que c'est assez impressionnant, les effets de lumière aussi. Ça aide pas mal, les shaders. Donc, du coup, vous voyez un peu à quoi ressemble cette zone, cette chambre. Du coup, c'est éventuellement pour une petite lumière pour une partie, mais ça n'est pas si bien que ça. C'est un peu quand même. Voilà, vous voyez un peu à quoi ça ressemble du coup à certains endroits. Donc du coup c'est assez beau. Donc voilà, ce sera tout pour cette zone parce que la zone au-dessus elle n'est même pas terminée, donc ça sert même pas à grand chose à aller voir, ça sert à rien. Alors ici nous avons la map, la maison en cours que Wu a fait aussi avec son ami Joshua Nantes. Donc, je vous présente à quoi ressemble l'intérieur si vous n'avez pas déjà vu. Donc, comme vous voyez, c'est marqué Château Brofri par Mister Mou et Sofiane en Nantes. Donc, on l'appelle Domaine de Mounassar, bienvenue. Bon, après, je ne vais pas vous mentir, je ne connais pas du tout. Je ne sais pas ce que c'est Mounassar. Bon, en tout cas, c'est assez spécial. Après, je ne sais pas trop si ça ressemble à un château, je n'y connais rien non plus en château. Bon, en tout cas, c'est assez intéressant l'architecture utilisée. En bref, ça m'amuse. Hein. C'est marrant parce que mon mou m'avait expliqué qu'il avait pété ce monde-là parce que ça l'a fait et d'un coup, son ami l'a remis. Et du coup, vu qu'il n'utilise plus même pas, ça ne gêne plus, mais il avait déjà pété ce monde. C'est ce qu'il m'a expliqué, hein. Donc là je me dis qu'est-ce qu'il m'a expliqué. Donc c'est assez cool, il faut continuer, mais c'est assez spécial aussi quand même ce château. Tiens, il a une montre ici. Ah mais c'est sa fameuse chambre, il l'avait déjà montré. Par avoir c'est une chambre miroir, oui. Vous voyez une mirror, vous voyez ça. Hop. Hop. Là. 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 Et voilà, je ne dirais pas plus. Donc, ouais, c'est assez impressionnant. Donc, du coup, je pense qu'il n'y a rien d'autre. Voilà, apparemment, il y a un autre endroit. Donc, ici, nous sommes dans la deuxième map, deuxième zone que vous m'avez expliqué comme quoi il fallait montrer. Donc, j'ai dit, ah, ok, bon, ben, je vais te montrer ça aussi. Donc il m'a dit que cette commande-là, et en effet c'est magnifique, avec les ombres portées, c'est bluffant. Après il m'a dit qu'il pourrait avoir quelques petits bugs, parce que c'est pas parfait. Donc, ah si ça va, c'est juste au bois, ça clignote de manière bizarre, mais c'est beau, hein, ouf, c'est magnifique, c'est assez impressionnant quand même. Il m'a dit que de toute façon ça ne s'adapte pas, qu'il ne monte pas plus que 30 FPS, mais c'est bluffant à quel point c'est impressionnant ces ombres. Je suis bien impressionné. Donc ici nous sommes dans la crevasse, dans la zone que Mister Mou a modifiée. Apparemment ça c'est assez fréquent, il s'amuse à faire des munitions avec des petits renards qui appellent des mou coquins. Pourquoi il appelle ça comme ça, mais il appelle ça des mou coquins. Et ici, nous sommes tout simplement dans la zone cave lava, qui n'est plus vraiment une cave lava, mais expliqué comme quoi maintenant c'était une cave. C'était une sorte de jardin zen, un peu comme ça, donc ok, c'est assez impressionnant. D'accord, donc apparemment il y a de l'eau aussi. Ah, en effet, il y a de l'eau. Et c'est censé être du jardin zen, donc tout simplement. Donc ok, je vois.
C'est assez spécial, mais en effet. C'est assez... ouais, c'est pas moche, mais c'est assez spécial. Donc ici, je vous dis à bientôt. C'était donc Elise pour cette petite vidéo. Je vous souhaite à bientôt. En terminant, du coup, je vais vous montrer la construction de Moumou. C'est censé représenter un chat. Quoi? Je ne sais pas trop. Voilà, ça ressemble apparemment à un chat. Un chat bizarre, peut-être, je ne sais pas. Donc, je rigole, je ne vous permettrai pas. Du coup, oui, c'est assez spécial. Donc, voilà, c'est un chat. Il m'a expliqué qu'il y avait plein de petites choses comme ça, des chats. Une sorte de chat Minecraft. Donc, ici, je vous dis à bientôt, les gens. Et c'était Elise. Elise, pour mon servir. Ciao. Au revoir. Comment on coupe ça?